Salut tout le monde, ta gueule. Salut tout le monde, c'était Gamer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec Kylian. On commence la vidéo, c'est bon, on regarde pas. Non. Et avec Kylian. Bonjour. Ibrahim. Allez. Qui sera spectateur parce que là on est sur Brawlhalla et on va jouer en classé 2v2 avec Kylian. Mais du coup Ibrahim sera spectateur. Donc on l'exclut. Voilà. Je suis dans la vidéo mais en tant que spectateur, un petit peu comme vous. Regarde la vidéo mais moi je suis dans la vidéo. Exactement. Ouais, il peut commenter, Kylian, il peut nous dire Kylian, tu peux lancer. La merde et... Du coup là je joue Artenis et Kylian joue Corps. J'ai essayé de faire une Dwagby mais je garantis que je vais être à 1 millième du niveau de Dwagby en fait. Comment t'arrives? Donc là les gens jouent en classé, donc il y a des gars alliés, donc je vais. Si vous voyez Kylian et moi taper souvent sur nous-mêmes, bah c'est logique. Enfin, c'est pas ce qui m'a énervé. Si vous voyez souvent Enzo taper sur Kylian, t'es normal, c'est parce qu'il fout sans réfléchir. bah oui, non, mais Enzo il prend toujours un truc avec une portée de immense. Du coup, on peut tous frapper comme des coups. Pour ceux qui ne savent pas, bah. Ah, super, vous avez même pas d'armes. Ils ont pas d'armes, ils vont te faire marcher les dégâts à chaque coup. Pour ceux qui ne savent pas, Brawlhalla c'est un Smash Bros like, clairement. Sauf que comparé à Smash Bros, tu peux sauter sur les côtés des murs à l'infini. Et là, je viens de perdre une vie comme une grosse merde. Lamentablement, c'est un bon c'est un très bon adjectif pour dire. Merde. Ah putain mec. Ouais, et toi aussi qui alors viens pas parler. Ça commence bien putain. Oh putain, t'es en train de te faire un bon combo là en fait. C'est pas le seul. Aïe. Putain, il me casse les couilles gros. Quelqu'un est en train de se faire éjecter, N2 qui est en train de se faire éjecter, attention Kylian est en train de revenir. Oh, il a failli se prendre le coup de lance, il a pris un coup de lance, attention, il va revenir Kylian, attention. Oui, bon, oh, il a esquivé. Et il s'est fait éjecter. Putain, et N2 qui va réussir à revenir, attention. L'enfoiré. Oui, il a réussi à revenir, j'ai pris un coup de hache. Putain, un coup de lance, j'ai pris un coup de lance, oui, j'ai dit un coup de hache, c'est pas grave, c'est sur le niveau de l'action. Attention, et il s'est fait éjecter par la lance. Putain, mais il va arrêter juste de faire ses coups. Putain, il pète les couilles, gros. D'ailleurs, comment ça s'appelle le truc qu'il a, l'autre là? Il y a, comment dire, Elgrim, il a une lance et la petite pointe, c'est l'épieux en fait, le nom dans le jeu. Mais Avatar! Un épieux? Il t'appelle ça Epio, je crois, dans le jeu. Ok, d'accord, merci. Attention, ils ont toujours pas réussi à enlever une seule vie aux adversaires. Là, pour l'instant, les adversaires sont en train de faire un parapet contre eux. On va voir est-ce qu'ils vont réussir à leur enlever une vie. Et Kylian qui se fait éjecter. Et attention, Enzo il a plus de vie, il peut se faire éjecter à tout moment. Et il a éjecté son pote. Oh putain, oh bien joué avant d'esquiver ça, mec. Enzo, Brahim il a un petit peu de retard, hein, du coup, il a un peu de. Il y a un décalage joué de 5 secondes quand vous êtes en AV2. Ouais, j'ai le problème en fait. Le truc c'est que je me suis fait. Comment t'arrives, mais faudra le bouger de quelques secondes en fait. Bien, oh, bon move de Kylian, très bon move de Kylian. Comment on ne pas sur, sur une. Le comment t'arrives, mais décalé, tu sais. Par contre, je comprends pas pourquoi ça y a un décalage de 5 secondes, ça que je comprends pas. C'est la vie. Je sais pas, toi. C'est pas comme dans Brawl Stars où quand t'as un décalage de 5 secondes, genre c'est parce que du coup tu peux dire à l'autre, ah bah tiens, il est caché dans les herbes ou truc comme ça par exemple. Là, c'est rien en fait là. Qu'est-ce que tu vas dire au gars? Attention, il y a une arme, bah je l'ai vu mec en fait. Mais j'ai mon arme, je m'en fiche en fait. Ouais, mais bon, on sait jamais, merde. Putain, ouais, je m'étais. D'accord. Je me suis un peu défendu quoi. Premier combat, on perd comme des grosses merdes. Ah ouais, bah en même temps, t'as. Et on peut féliciter les deux gros noobs. On peut faire un match peut-être. Ouais, moi, il y a un jeu contre toi, ça te va? Bon, Enzo, donc du coup, tu prends qui pour le continuer le la vu, t'as le coup, elle a commencé à refuser un. Ah, force c'est quoi 1v2, on change la vidéo, m'en fous. Non, joue Artemis. Tu gardes Artemis? Ok. Et garde le perso qui va t'éjecter H24. Mais non, là ça va, c'est pas trop un perso qui. En vrai, lui ça va en vrai. Alors, on est contre Orion et Mordex. Ouais, Mordex il a envie de s'éjecter de même. Mordex il a laissé gratuit? Sauf que Enzo il le sait pas parce que c'est un gros pigeon qui a acheté le pack pour avoir tous les persos. Ta gueule. Alors. Et Orion moi je l'ai acheté à la loyale les gars. Enzo fais attention à Orion, ok? Ta gueule j'ai un gros. Fais attention à Kylian aussi parce qu'il frappe dans tous les sens. Non mais en fait si joue comme moi, si vous êtes éjecté, faites attention parce qu'il va vous attendre et il va vous faire son Upbi. C'est ça? Le Upbi en gros il fonce en l'air et ensuite il attaque en bas. C'est à dire si vous venez en face de lui vous êtes mort. Il le cale bien. Putain mais l'enfoiré il a une trop grosse portée gros. Ah tu vois, dis ça sur Upbi Enzo. Mais putain je voulais le prendre aussi là. Désolé mon ref. On va jouer.
Oh, bien joué. Oh, Enzo qui apprend aux ennemis comment on bat. Attends, je vais changer d'arme. D'accord. Et mais Enzo, non. Enzo, pourquoi tu t'es arrêté? Mais Enzo, t'es débile. Mais Enzo, t'as fait un double kill. Pourquoi t'as pas fait un triple kill? T'aurais pu tuer Kylian avec eux. En fait, t'as tellement pu me tuer en plus. J'aurais écrit triple KO. Putain, mais Kylian! Je sais pas si t'as fait triple KO si tu tues un de tes potes. Je sais pas si tu l'aurais marqué. Si, si, mec, ils t'écrivent bien quand tu tues ton pote, mec. T'inquiète pas, ils te l'écrivent. Ah, mais je sais que ça écrit en haut, mais je sais pas trop si ça aurait continué compter comme un triple KO. Ah, t'inquiète pas, mec. La dernière fois que tu m'as éjecté, que t'as éjecté un adversaire en même temps, t'inquiète pas que ça a mis double KO. Oh merde. Merci Endo. Putain, je parle comme une cuisière que c'était. Le pire c'est que moi j'ai pas la vidéo en même temps. Ça c'est le pire, il est pas la vidéo en même temps. Du coup j'entends merci Endo, je suis en mode qu'est-ce qui s'est passé quand je vois le truc, tellement il est. Non, connard. Ah, gueule. Oh, je l'ai bloqué. Attention Kylian, ne t'approche pas trop de moi Kylian, d'accord? À toi de me le dire. En vrai, c'est nul parce qu'il utilise que la lance, il utilise nique ta mère, que la, l'autre là. Je me rappelle déjà plus du prénom de l'arme qu'il a Orion. Mais Kylian, mais t'abuses. Mais quoi? Mais putain, c'est une lance qu'il a Orion là. Exactement. Attention Enzo. Oh là là. Je lui dis attention. Hein. C'est sa faute là. Hop, dégage. Bon, moi, on l'a goûté. J'avoue. C'est la dernière vie pour chacun. Non. Prochain mec à se faire attraper, ce sera Enzo, c'est sûr. Donc je tiens à dire qu'il vous aura attrapé parce que vous aviez... Mais il abuse ce mec là, qui s'appelle Kylian. Il abuse trop gros. Il abuse trop. Ça, t'as failli me toucher. Bah, là je t'ai pas touché. Oh merde. Kylian. Oh oui, l'attaque son pote, c'est bien ça. Ah bah, comparé à nous, on s'est mis une dizaine de coups, lui il en a eu qu'un seul. Oh, bien joué, Zo. Allez hop, ça dégage. Attention, Kylian, attention. Attention, mais putain. Dis-lui à lui plutôt. On les a éclatés. Mais ça, je dis rien. Ouais, bah, éclaté, on a failli crever aussi. Je t'emmerde. Comparé à la game d'avant. À la fin, ils te mettent un pouce bleu là. Il a éclaté bleu, Zo. Ils sont en rouge, ils ont fait un pouce bleu. Bravo, Brahim, hein. Bravo! Faut se lever plutôt! Bah, mec, d'un autre côté, ils sont en bleu chez moi, mec! Ah, ok! Ok, tu peux lancer? Ah, ouais, j'ai eu le même bug la dernière fois! Après, si tu veux, ils peuvent mettre un pouce rouge et on demande aux abonnés de Enzo de mettre un pouce rouge sur sa vidéo! Attends, je vais tester Teros! Il a une hache sur un marteau, moi, ça me plaît! Quand deux personnes de la mythologie grecque s'allient! Oui, c'était ça la vanne! Y'a rien de bug! Alors, oh mon dieu! Un autre Teros! Oh mon dieu! J'ai déjà vu qu'elle avait un skin de hache. Mais on est d'accord! J'ai fait break, mais on est d'accord! Non, on est en bleu et toi, Brian, du coup, nous verrons quoi nous? Merde! Oh merde! Allez, pas en move, vous êtes qui vous? Nous on est les. Bah, nous on est bleu, nous. Nous on est en bleu. Oui, mais vous êtes quel perso? Enzo, Artemis? Moi je suis Artemis! Il a même pas le gars. Ok, bah vous êtes en bleu chez moi alors! Bah c'est bien alors! Enzo, écarte-toi! Oh putain, mais gros, négro, quoi. Oh merde, putain, il est pas gros, il est mince, la preuve, il a un coton-tige. C'est pas faux ça. Attends, je vais. Ah oui, bien joué. Ah bah d'accord, merci Kylian. Je pensais Kylian allait faire un kit. Pas du tout, monsieur, pas du tout. En vrai, Kylian, je me dis, si t'avais Rayman là, t'aurais pu foncer sur leur tête avec ton truc là, bien pote. Il était beau celui-là, Enzo, pas vrai? J'étais avec ma hache. Enfin, l'encens. Là-bas, je voulais. Putain! Moi j'ai envie qu'on fasse un truc les gars. Vas-y dis. Enfin que vous passez un truc, j'ai envie de vous donner un défi. Kylian, tu prends Rayman et Enzo il essaie d'éjecter quelqu'un et au moment où il revient toi tu le frappes avec le up de Rayman avec son avec sa hache. Si vous arrivez à faire ça, non. Ok c'est bon. Si vous arrivez à faire ça, ce serait magnifique mec je pense. Putain. On l'enchaîne et wombo combo. Bon on a un avantage mais de peu quoi. Putain mais genre. On a plus d'avantage. Ah bah il a frappé son pote. Bah attends il essaye de le finir en plus. Il essaye de le finir. J'avoue mais Enzo. Ah t'es pas lancé parce que c'est un avantage les gars. L'autre il est dans le rouge mais extrême rouge l'autre. Donc vous avez toujours un avantage. Il est plus dans le rouge là. J'avoue. Voilà. Il est dans le blanc. Merci Kylian. Bah ça va, il y avait l'autre ennemi dedans aussi, c'est pardonné.
Il y a, dans, dans ce jeu quand même il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. L'enfoiré. Il y a pas de noir par contre, hein, c'est ça que tu voulais dire. Non. Putain mais comment il esquive ce bâtard? Non il fait de raciste va. Mais... Alors Enzo à la base c'était mon attaque hein. Je t'emmerde. Ah d'accord que Kyle live vient de faire une blague raciste. Ah bon? Non mais. Parce que comment, vu comment tu l'as dit, y a du... dans ce jeu, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge par rapport au français pour rigoler, tu vois. Et là, il y a Ken, il a fait. Et il n'y a pas de noir, c'est ça que tu voulais dire. Alors que j'ai zéro voulu dire ça. Non, mais je pensais que tu voulais. Tu sais, tu vois, parler de complot ou un truc comme ça. T'as de la merde, donc c'est bon, ça te va. T'as la couleur merde dans ce jeu, ça te va pas. Putain, mais on s'est fait éclater, gros. Ouais bah on va essayer de... J'ai voulu faire un attaque smash mais bon j'ai compris que le gars allait me contre-attaquer dès que j'allais la foirer. Un en haut, un en bas je pense. Un dans une plateforme et l'autre qui frappe. Je veux dire il y a plus de plateforme donc rebalance ta théorie. Un de chaque côté, un de chaque côté, un de chaque côté je pense c'est le mieux. Oh non. Putain mais... Pourquoi il se met automatiquement devant moi ce connard? Mais non mais pourquoi un il a pas fait... Un à droite, un à gauche. Endo, c'est quoi ton ba B toi? C'est quoi ton babé dans les airs? Alors foiré. Endo, c'est quoi ton babé dans les airs? Oh, oh c'est déconnecté à la main. Endo, c'est quoi ton babé dans les airs? Mon babé? Oui. C'est une sorte dans de les trucs airs. Des attaques. Enfin, je... en fait, je sais pas en fait. T'avais quelle arme à ce moment-là? La lance. La lance. La lance, ça te fait un dash diagonal. Je crois que ça fonce vers le bas, je pense, c'est ça le truc. Ça va vers le bas, mais un peu diagonal. Un peu en diagonale. J'avoue. Ok, tu peux lancer ça. Pour lui bah, parce que pour Orion, lui, lorsqu'il l'a, par exemple, lui, c'est en, change de couleur. En vertical, lui. Mais non, non c'est bon, calme-toi, hein, on a mieux, quoi. Orion, lui, lorsqu'il fonce avec sa lance en babé, en downbeat, du coup, le gars, en fait, bah, il... Orion, fait ça. Bah, en fait, lui, il fait en vertical, quoi. Donc là on se bat contre un Dusk et un Nyx. On se dit peut-être lui il aurait pu essayer de, Nyx, de le mettre quoi. Omnitrix, non ça marche pas. Oui je sais, on est sur Brawl Alive, je parlais avec un gars de Smash, j'ai un problème. Oui Kia, c'était voulu l'attaque, t'inquiète pas. Garde toi Enzo. Ah mais il y a un AFK. D'ailleurs t'as même la première attaque que je vois c'est Enzo en train de pousser sur Kylian tout droit. Y'a un AFK gros, y'a un AFK. Hop là. Du coup Enzo il en profite comme une grosse. Il arrive à rater un AFK quand même, il arrive à rater l'AFK quand même. J'avoue. Et voilà, ça c'est quand Kylian se met à travers moi. Oh bâtard, il est plus AFK. Oh, il est de retour. Oh mon dieu, il est plus AFK. Mais je pense qu'il là c'est parce que Enzo il a raté 4 fois l'AFK. S'il avait pas raté 4 fois l'AFK, je pense qu'il l'aurait tué et il serait pas de retour. Oh merde. Je vais éviter genre de me taper dessus sinon à part ça parce que moi il me rate pas bizarrement. Oh, bâtard. Il a failli me toucher le bâtard lui. Cette situation est nulle à chier. Oui vous pouvez le dire. Aïe 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 aïe. Oh putain. Oh bâtard. Oh putain. Oh la vache. Là il se mange. Là il se mange. J'avoue. Non. Pas qu'un peu. Non je voulais la bombe. Dodo. Dommage quoi. Merde bon je suis proche. J'allais partir à gauche. Avec le coup. Putain, mais non! Non, il veut récupérer la bombe! Ta mère! Oh! Ta mère! Oh! Oh, il est le fil! Aïe, connard! Oh merde, putain, j'ai failli viser Kylian. D'accord, merci. Moi, par contre, je peux viser malheureusement. Bon, moi, j'ai touché l'ennemi, donc à moitié pardonné, non? Oups. Merci, Kylian. Bon, moi, elle a tué son pote, donc à moitié pardonné, non? Ta gueule, j'ai envie de te précéder la gorge, mec. Putain, mais à cause de toi, je lâche ma bombe, connard! Attends, lui. Merde. Ah, mais putain, lui, c'est moi, c'est ça, non? Merde. Merci connard. Je voulais avoir lui, putain. Écarte-toi. Oh putain, il a failli tuer. Ouais. Bah moi il m'a tué en tout cas. Non mais t'as failli te la prendre la mine hein. Mais non. Merde, pourquoi ça a pas lancé mon attaque?
Hop là. Putain. Mauvaise attaque déjà donc. Je joue avec un attardé mental. Oh putain, j'ai pas touché. Putain, mais. Gagne, tu peux voir sur la Discord ce que j'ai mis. Ah, pardon. Enzo, si tu me tues. Ok, je tue lui d'abord. Merde. T'as failli prendre le. Putain, il est devant moi quoi. Donc, alors qu'est-ce qu'il a mis sur Discord? De la merde. Tu peux aussi lancer en même temps. Ah, je prends d'autres, t'en pourras une quand même, mais. Tu peux aussi lancer en même temps en fait. Il va manger et il revient. Ah, d'accord. Bah, du coup, on continue. Bah, oui, à ton avis. On a pas Brahim là, c'est le moment à rêver pour continuer. Et go alors. Et we go by time, be motherfucker, bitch. Quoi? Oula. Mais le dernier mot, il était obligé. J'ai précisé que même si je vais manger, il vous entend toujours Kian. Voilà, j'ai juste à préciser ça comme ça. J'ai pas le droit de dire que t'es quelqu'un de très énervant, que j'ai envie de voir en PLS, on va dire. On est contre Mordex et Nyx. Encore? Alors là, tu m'as cherché Kian. Eh mais c'est pas les mêmes mecs de tout à l'heure. Voilà, je l'ai mute et je l'ai mis en sourdine, il m'a cherché. Mais non, remets démute le s'il te plaît. Voilà, je l'ai démute, c'est bon. Merci. Par contre, il laisse en sourdine. C'est moi ou on est contre les mêmes joueurs que tout à l'heure? Kian, tu savais ce qui s'est passé pendant quelques secondes? On t'entendait plus du tout parce que tu m'as cherché, je t'ai mis en sourdine et je t'ai mute. Ah bah d'accord. T'as mis la totale. D'accord. Aïe. Putain mais pourquoi il faut tout le temps qu'il soit devant ce connard? Oh non. Bien joué gros. Putain. Putain. Oh merde. Mais non. J'étais vraiment au bout du truc quoi. Putain. Mais putain. Oh. Oh l'enfoiré. Je l'avais pas vu. Oh, 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 non! Ah, t'as pas trop! Mec, on en parle pas qu'on est en train de perdre comme des gros salopes là. En même temps, t'as vu comment tu joues, viens. Enfin, je ma gueule et je prends en beaucoup à ce moment là. Oh putain, j'ai failli t'attaquer, gros. Moi aussi, j'ai failli te toucher. Merde. Oh merde! Là, par contre, t'as pas failli, hein! Non, oh, merde! Aïe, 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 oh! L'enfoiré. Dégage! Putain, il m'a cassé les couilles, gros. Oh putain! J'en ai pas. Vraiment, c'était où que je visais, mais bon bah. Putain. Putain, mais il peut tellement combo facile, c'est incroyable! Putain, l'enfoiré, t'es 1v2. Bah, j'ai vu ça, hein. Sans être esquive à chaque fois qu'il me. Putain, il peut tellement combo facile, gros. C'est pour ça que j'aime bien les gants, moi. Ouais, c'est bon. Fais gaffe à la bombe. Ouais, j'ai entendu prendre un truc, j'ai compris que ça allait m'arriver dessus, quoi. Vu que moi j'ai pas de décalage, ça peut être pas mal. Ouais, lui, il joue bien mieux que moi, lui. Oh putain, belle esquive. Ah bah, la mauvaise esquive. Puis ta gueule, en fait, toi t'es mort. Ta gueule. J'ai subi de malchance incroyable. Moi je subis le courroux d'un allié qui voulait à tout prix me frapper visiblement. Oh putain dommage, j'aurais dû frapper un tout petit peu plus tard et même là je crois même que je l'aurais raté. Oh GG. C'est beau. Putain, joue ma gueule. Oh putain, pourquoi toute ta gueule? Ça, il veut trop une arme, ça se voit. Moi je le comprends en bon temps d'un côté. J'avoue. Ah, il veut à tout prix me frapper sur un. Et de finir sur un uppercut. Hein. Ouais, il joue beaucoup d'uppercut d'ailleurs. Bah, moi aussi. C'est pas lui que je visais à la base, mais bon, je prends.
Bien joué, gros. T'es un. Un contre. Bah, il a deux vies. Ça va être compliqué. Très. Compliqué. Déjà, si il fait comme ça. J'arrive au moins à lui retirer une vie, ça serait déjà pas mal. Sauver l'honneur, hein, j'avoue. Attention à la mine. Bien joué. T'as sauvé l'honneur. Bon bah non, non, non. J'ai intérêt à faire une grosse remontée maintenant. J'avoue. Et elle va te caler un coup, genre normal. Ouais. D'accord. C'est la bombe. Putain, c'est sûr. J'essaie de prendre une arme pour une meilleure portée quand même. Putain, là j'arrive. Ouais. Là il a jamais. Putain, j'ai tellement de pourcents mec, le moindre coup, je m'envole mais. Là le combat vraiment il est intense quoi. Y'a zéro coup qui se sont mis et là je prends la grosse bombe quand même. En vrai y'a moyen. Ah bah oui, bah il va attendre que je me rapproche hein. Clairement ouais. T'essayes de planter là. Oh mais bon. Putain, j'ai vu arriver là. J'ai vu arriver, mais bon, par réflexe, j'ai sauté parce que mon cœur il. Ouais, t'as eu peur, là. C'est normal. Ça va avec ça. Ah, bah oui, bah oui. Putain, dommage. Bon, bah au moins, je leur ai retiré une vie chacun, quoi, avant de crever. J'avoue. Oui, les gars, moi je change, je prends Vector. Parce que j'aime bien Vector aussi. J'aurais envie de changer aussi, moi, tiens, attends. Pas que Zul, un peu mal à le jouer. Vraiment. We've got a bad time. We've got a bad time. Ok, on est contre Nyx et Azuri. Well, Zorari, vous en tenez sur toi. Même si on n'est pas sur toi. One, let's go. Ah, d'accord. Enfoiré. Allez, là c'est à moi de m'amuser un petit peu. Pas du tout. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ah merde, c'est le fade. Toi ta gueule, connasse. On va crever en enfer. Oh merde, trop petite, désolé. C'est moi la connasse qui doit aller crever en enfer. Oh merde. Oh putain. Ah, c'est. Oh, c'est trop stylé ce truc! Oh non, 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 il a une bombe! Il, a plus de bombe! Totalement raté! Oups. Regarde mon truc, gros! Oh. Ah, salope! Genre, elle a esquivé! Putain, l'enfoiré! Bien joué, mec! Dommage! Oh merde! Non, 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 non! Pas comme ça. Non, mais con. Putain, j'ai failli crever. Attention, saute. Oh. Il est plus beau quand même la prochaine fois. Oh. Oh, en même temps. Oh, ça c'était stylé. L'enfoiré, l'enfoiré. J'en ai marre des gens qui combo comme des gros pauvres. Je t'emmerde. C'est pas un combo compliqué à faire en plus que je fais à chaque fois. L'enfoiré. Merde, putain. Ça, c'est trop vite quoi. L'enfoiré. Aïe. C'était ma mère. Oula, je suis pas tombé, je crois. Ouais, voilà. Fais que ça me blague, oui. Je vais un peu venir t'aider en fait. Pas besoin. D'accord. Pas pour l'instant. Ah, bah si, besoin d'aide en fait. Oh, putain, comment j'ai fait pour survivre? Je me pose la même question. Putain, mais comme par hasard. Moi, pour survivre aussi avec un pote, t'arrêtes pas de me foutre des putains d'attaque smash toutes les deux putains de secondes. Putain, ah, il fait chier. J'en ai marre, gros. J'en ai marre, gros. Attention, gros, saute. Putain. Tu me dis pas au moment où j'atterris, t'es marrant toi.
Oh mais non, putain. Dégage toi salope. Oh putain mais gros fais gaffe. Putain mais tu te rends pas compte du risque que tu prends à chaque fois en faisant ça. Est-ce qu'il y a pire ennemi que toi en fait sur cette map? Bon au moins t'as bien passé une vie un moment. Putain quoi. Ah merde. Ah mais d'accord c'était toi qui est mort. Merde, désolé. Ouais putain ok il a fait une garde. Oh l'enfoiré. Putain j'avais pas vu la mine. Il s'est pris ma mine. J'ai vu qu'au moment où j'ai marché dessus quoi. Fais gaffe. Fais gaffe. Oh fais gaffe. Oh il s'est fail. Oh, oh qu'est-ce qui se passe? Merde. C'est une de mes attaques. C'est l'attaque vers le bord en fait. Enfoiré. Non. Oh bien joué. Non. Comment tu fais pour mourir autant? J'ai pas de chance tout simplement. Ouais bah ça se voit hein. Mais mec je crois qu'en plus j'ai rebondi sur un truc. Oh putain. Je sais pas comment est-ce qu'il est survécu hein. Je sais pas. Il a vraiment de la chance lui. Essaye de vider le chat non. C'est ce que je veux tenter de faire mais bon. Putain y'a un connard qui... Non. Qui te fait chier. Oh, bien joué. Ouais, enfin, yes. Oh, il y en a qui est stressé lui aussi. J'avoue. Mais putain. C'est quoi ça? C'est un chat perché. Arrête de faire putain, mais. C'est un chat perché, gros. Oh là là, mais ils sont chiants les gens. Oh bah d'accord. D'accord, tout ça pour ça. J'avoue, mec, c'est la pire fois. Level up. On m'appelle le Transformer. Termine là ou... Non, on continue là. Ouais, on en fait une, on en prend le temps gros. Au moins une. Ok, vas-y. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Oh, j'ai envie de le tester lui. En cas GG, pour la... le 1v2. Mais bon, 1v2, ils étaient lourds, encore heureux quoi. Ça va. Tu peux dire merci... Pas comme ça, parce que tout à l'heure, où il y en avait carrément un qui avait deux vies. Oui, il m'a mis une bombe que j'ai clairement foiré. Oh putain. Transformers contre Transformers. Ça va être la merde. D'accord. Au moins ça va, t'es énorme gros. Putain, putain, putain. Putain. Ah bien. Mmh. Oh putain, j'ai testé une attaque à la base mais j'ai touché un ennemi avec, c'est bien. Attention. Merde. Au moins j'ai un ennemi. Toi t'as... Ouais, au moins t'as touché un enfant, ouais. Donc moitié pardonné. Oh merde, on a touché tous les deux. Oui voilà, moitié pardonné. Bizarrement quand c'est à moi d'être moitié pardonné, je suis pas pardonné bizarrement. Non l'enfoiré avec ses mines de mes grosses couilles. Je crois que c'est une première fois que je joue avec une lance hein. Putain gros, et le Giro il s'est joué hein. Je peux te le dire, Giro il s'est joué. Oh je l'ai spike. Laisse mes jouer. Allez chia. D'accord. Je sais pas comment il a fait pour me toucher, mais nique ta mère. Merde. What? Ouais, comme ça. Il faut prendre avantage là parce que t'as plus de. T'as plus de pourcent. Putain, mais. Giro, il s'est trop bien joué ou c'est moi là? Putain, à chaque fois je me fais avoir. Putain, ah, j'en ai marre. Oh, j'ai failli prendre la mine. Moi aussi. Bah, lui, je t'ai pris, mais il m'emmenait dedans. Oups. Oh merde, oups. Merci. Bon, au moins, il t'a empêché de continuer son attaque. Comment il s'est pas pris mon attaque en fait? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Aïe. T'as vu, je sais pas. Boule de pique. Enfin, son pote s'est pris la boule de pique. Bâtard! Je peux le tuer? Ou je le. Bah, c'est ce que j'essaie de faire tout à l'heure, mais. Genre j'ai esquivé. Putain, jeu de merde.
Je sais pas où je suis, j'adore. Il y a un mec qui s'appelle Kian qui me ça fait plaisir. C'est ta dernière vie? Oui. Oui. Totalement, c'était bien ma dernière. En plus, je récupère mon marteau. En plus, moi, à la base, je voulais plutôt changer d'arme, mais merde. J'ai eu une commande de connaissance. Oh putain, comment il t'a violé. L'autre là, une bombe. L'autre, il a pris un coup de son pote. J'ai raté de peu. Hein. Oh putain. Ah, il a pété l'ennemi dans l'ensemble son truc. Putain, allez, faudrait que je tue le Transformers. Hein. On est d'accord, en fait, il tire des projectiles en bas, c'est pour ça. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, ça, c'est c'était le béba. Ouais. Ah, ouais. Putain, mais il spam, il est chiant. L'autre il joue bien, enfin l'autre il laisse son pote se battre tout seul. Ah bah t'as non. Moi, je le crois. putain mais il est chiant lui, il spam hein. Non. Oh putain, il m'a lancé tout le jeu. Mais non mais franchement il m'énerve. Fais gaffe, l'autre il va t'attaquer au bout d'un moment. Ah bah je m'en doute, mais de toute façon tu vas voir mec, dès que l'autre sera mort là, je vais me faire attaquer par le deuxième. De façon logique, en même temps il a rien de mieux à faire. Non, il va tenter de me foutre une petite attaque smash. Regarde parce que Giro il est vraiment fort. Putain. Exactement comme ça. Je m'y attendais pas. Putain, c'est bien. Les attaques qui font comme ça, là t'es juste au-dessus, c'est putain de chiant à esquiver en vrai. J'attendais pas, en plus moi je connaissais pas son attaque. Si j'avais su, je serais parti directement ailleurs. J'avoue. Bon bah du coup, cette vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quand on se barre, hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Ouais. Partagez la vidéo si vous êtes une âme charitable. Clochez ma chaîne, je l'ai pas dit encore. Clochez ma chaîne pour recevoir toutes les notifications. Et Kian, dis au revoir. Moi j'ai pas envie. Plus. Allez. Je suis plus gentil que dans la dernière vidéo. Hein. Je suis d'accord. Allez, genre, mais bah, il est pas là. On s'en bat les couilles. Ça c'est une vidéo parfaite. Et je vous dis game over.